En fait, à la base, je voulais pas que ce soit Francky Vincent qui gagne. Mais comme je me suis dit, je vais prendre une passion. Après, je me suis dit, ah non. En travaillant sur le blog, je suis tombé sur la fameuse chanson « What do you think about my whiskey, yeah ?» Et je me suis dit que c'était dommage de ne pas en faire un générique, tout simplement. Donc là, je suis en train de travailler une petite prod pour vous faire un générique sur cette magnifique chanson country. Donc la prod, ça fait à peu près ça. « What do you think about my whiskey, yeah ? What do you think about my whiskey, yeah ?» Voilà, à peu près le délire. Par contre, il y a eu un gros bug de... Ah, je suis en train de vous faire écouter avec un gros bug de micro. Ah oui. Bon, vous avez quand même une idée à peu près, même s'il y avait un ouh du truc. Et là, je vais enregistrer mes voix. Donc, ça va être assez. Je sais pas. J'ai même pas le mot. Je laisserai Lorraine mettre un petit mot en sous-titre. What do you think about my whiskey, yeah? About my whiskey, yeah? About my whiskey, yeah? Maintenant, je vais faire une plus country. What do you think about my whiskey, yeah? About my whiskey, yeah? About my whiskey, yeah? Et je vais essayer une en mode rappeur bourré. Rappeur de comptoir. What do you think about my whiskey, yeah? What do you think about my whiskey, yeah? What do you think about my whiskey, yeah? About my whiskey, yeah? About my whiskey, yeah? Ah mince, j'avais oublié la réponse. Il faut qu'il y ait une réponse. Il faut qu'il y ait un mec bourré, premier plan, et après plusieurs personnes derrière, pas calées. What do you think about my whiskey, yeah? Faut qu'il soit plus fou. What do you think about my whiskey, yeah? Ok, ça c'est pas mal. What do you think about my whiskey, yeah? What do you think about my whiskey, yeah? Yes, celui-là est pas mal aussi. Et il faut quelqu'un qui soit un peu encore plus endormi, plus attaqué. What do you think about my whiskey, yeah? Ok. Donc là, il faut que tu choisisses une des quatre interprétations vite fait. J'ai fait le cowboy, là c'est le rappeur, après j'ai fait le cowboy un peu bourré. Ok, après c'est le cowboy ? Non, les deux premières c'est rappeur et après ça part en cowboy. C'est dur. Oui, c'est le cowboy bourré un peu plus attaqué, tu vois. D'accord. Il y a un certain degré d'alcool selon les prises, quoi. C'est ça. Je crois que j'aime bien le cowboy attaqué. Celui-là ? Ouais. Ouais, j'ai l'impression qu'il a un truc aussi. Il marche bien. Bah ouais, celle-là, il est bien. Mais parfait, celle-là. Très bien. Pas mal. Petit numéro. Il est beau. Il est trop joli. J'ai acheté un short. C'est la dernière fois qu'on est venu, quand on a fait du wake, j'avais trouvé un trop joli maillot de bain. C'est fait par Mogu, c'est ça? Oui. Qui est une créatrice de Benoday, donc juste à côté. Et j'avais flashé sur le short en même temps, mais je l'avais pas pris. Et donc du coup, on est revenu plusieurs fois depuis, et à chaque fois je le vois, à chaque fois il me fait de l'œil. Du coup, je l'ai pris. Et moi j'ai plus de jambes et plus de bras. Aïe, j'ai mal là. Du coup, tu pourras pas manger de chocolat? Non, il va falloir que je m'étire encore à la maison. Maintenant, pétard. Ah oui, hop, j'ai les appris. On a reçu le colis. Petit Chanel. Bah ouais. Tu voulais... Est-ce que tu veux faire ça maintenant ou on finit la buanderie? Non, t'as envie. Vas-y. Ça fait 3000 kilos. Tu veux que je fasse? Ouais, ça fait des années qu'on dit. Bah depuis quand on vous l'a dit? 7 ans. C'est bon. Son poids, ça pèse son poids, ça prend poids d'un même bord. Ouais. Tada! Il est beau! Parce qu'en fait, moi j'ai appris à faire des gâteaux avec ça. Et depuis qu'on est chez nous, je fais moins de gâteaux parce que j'ai toujours été habituée à ça. Et c'est quand même la vie pour faire des gâteaux, notamment des macarons. Même moi je vais faire. Là, ça donne envie.
En fait, à la base, je voulais pas que ce soit Francky Vincent qui gagne. Mais comme je me suis dit, je vais prendre une passion. Après, je me suis dit, ah non. Tout à fait, il faut aller dans la passion. Et après, je m'étais dit, non, je vais prendre autre chose que de la passion, parce que c'est très sucré. Mais du coup, quand elle m'a redit que banane, ça allait bien avec passion, je me suis dit, allez, j'ai trop entendu passion dans ma tête pour pas prendre passion. Et en fait, c'est bon. Non, si, c'est bon. Moins de chocolat. Et banane. J'aime beaucoup. Tu fais de l'ombre? Non, tu fais de l'ombre. Mais attends. Arrête! Aujourd'hui, j'ai fait des macarons. J'avais plus d'excuses parce que clairement, mon excuse, c'était que j'avais plus le matériel approprié pour en faire. Et en fait, avec les KitchenAid, normalement, c'est hyper simple. Sauf que là, j'en avais pas fait depuis longtemps et que je me souvenais pas que ça s'étalait comme ça. C'est que j'étais partie sur des petits macarons. J'en ai un qui a une taille à peu près convenable. Les autres, c'est plus compliqué. Soit ils sont extrêmement gros, soit ils sont moches, soit ils sont cassés et ils ont fini là-dedans. Mais ça, ça se mange très bien avec le reste du lemon curd. Donc voilà, c'est juste moche, mais ça reste très bon. Sur la story Instagram, on dirait qu'ils sont très beaux parce qu'ils sont flous derrière. Mais en vrai, ils sont bien cassés et irréguliers. Mais c'est pas très grave. Et sinon, aujourd'hui, on a eu rendez-vous avec Antoine Castaldi de Hera pour parler un peu de l'EP. Parce que du coup, on avait dit qu'il avait rendez-vous avec Warner US, mais on n'avait pas eu le feedback. Vas-y, vas-y, une tête. Je réfléchissais en même temps. Warner US, ils ont vachement aimé. Oui, ils ont vachement aimé. Donc, on est en train de mettre en place la sortie de l'EP avec Hera. Et on est en train de chercher des partenaires. Donc il y aurait Warner US. On est en train de voir pour voir si on peut bosser avec ADA aussi. C'est Warner France. Ils ont l'air apparemment de kiffer les titres, donc c'est bien parti. Et on est en train de réfléchir à tout. Donc les clips, les visuels, la promo réseaux sociaux. Oui. Du coup, là, ça commence à devenir vraiment concret, donc c'est chouette. Les morceaux, bah, du coup, on a tout rec. Il reste vraiment du peaufinage de prod, ou sur certains, c'est que mix master. Donc là, clairement, on arrive bientôt au bout, donc il faut vraiment qu'on commence à penser très sérieusement à la pochette, à l'ordre des morceaux, à l'histoire qu'on veut raconter avec l'EP. Et après, dans un second temps, il faudra qu'on réfléchisse à quel est le single, quel clip on va faire dessus, parce qu'on a envie de faire un clip sur le single, des visualizers sur les autres. Et donc ouais, c'est pas mal de taf à venir, on a envie de sortir tout ça avant la fin de l'année. Donc voilà, on vous en dira plus quand on en saura plus, mais en tout cas, ça avance bien et on a des super partenaires, donc c'est vraiment trop bien. Et voilà, c'est tout pour le moment. Petite récolte du jour. Aujourd'hui, il fait méga beau et vous commencez à connaître nos petites habitudes. Méga beau temps veut dire petit Azoic Park. Donc, Louis a déjà réservé son créneau parce que là, ça y est, il est devenu accro. Et normalement, si on arrive avant 18h, je peux manger un couigne. Si on arrive après, je prendrai un truc, un apéro, c'est bien aussi. Mais voilà, c'est un peu notre petit rendez-vous du soleil. Et du coup, on va rejoindre Stéphane qui est dans le coin pour le moment. Et puis voilà, ça va être chouette. Il y a des noix dedans. Stylé. Stylé. Ça y est, la précommande de Stay the Night est lancée. Il y a Idol qui m'a envoyé le lien tout à l'heure. Du coup, il faut que je partage ça sur les réseaux. Et pour ça, il fallait que je fasse une petite vidéo parce que j'en avais pas fait du tout pour annoncer du coup le morceau. J'ai passé beaucoup trop de temps sur ce truc. Du coup, si vous voyez cette vidéo et que vous n'avez pas aimé, s'il vous plaît, allez le faire histoire que j'ai pas passé 2 heures pour rien sur cette espèce de petit flipboard là. Mais voilà, je suis contente du résultat et je vais poster ça de suite.